Ah, celui-là. C'est bien ça, hein. Les trois trucs qu'on a vus, c'était bien l'équivalent en tout cas des. Yes, j'ai quand même poussé. Ça, je le ferai plus tard. Juste la carte, ok. Carte assez sympa, assez grande. Premier aléa. Envie d'y aller. Il y a toujours Mias. Je crois qu'on l'avait pu. Mais arcaniste invocateur. Hop. C'est ce que je pensais. Hein. Plus de 200 pour taper cette fois-ci. L'auberge grand départ, votre analyse et séjour. Allez, bousser. Capsule ouest. Ah oui, mais d'accord, ok. Ils te font croire que tu as potentiellement la cité. Leur équivalent du Ulda, mais en fait, non, il n'y a rien. Sauf si c'est plus loin, mais. Mais non, en fait. C'est ouf. Shigapampa. Tatou du désert. Il y a plein de mobs. Nouveau truc. Tout à fait. Qu'est-ce que je dois voir? Ah, ok, c'est rien. À la ville, bah, bien sûr. Et nous, la note, elle est un peu plus en forme quand même. Je. J'ai un peu moins de bordel chez nous. Ah oui, c'est ce que je viens de voir. Ouais. Il ne sert plus que des tables, super. Sud-ouest. Go. Trace. Mais je joue Bajouin Eterite. J'évitera de repasser par lui. Oh, il pêche. Il pêche. Il y a un coin de pêche ici. Résiste, résiste. Il n'a rien vu. Aïe, aïe, aïe. Petit mannequin d'entraînement là-bas. Yes. Dehors de la ville, comme ça, au milieu des monstres. Génial.
ombre morne. Qui est morte déjà? Poisson couche. Ah, c'est eux, les... Ah, ok. Ah, j'avais pas perdu la mémoire. Surtout, on me les avait pas présentés. Hop, on prend le relais Tamarus. Puis, on chope les direct. Ça fait, oh, ça fait 1h30. Dans le live. Ouais, 1h25 depuis le début de la vidéo. Ah, comment dire? C'est le début! Qui me demandait, hey, quel moment j'ai coupé la vidéo? C'est compliqué là! On va pas trop la couper là! Je pense que ce sera la session, peut-être que le niveau du coup. Si jamais on arrive à passer 71 ce soir, c'est pas gagné. Ah, mais oui, on les connaît. Ils sont trop mignons. Petits yeux tout ronds. Oui. Ça va, souple, marché, la traduction en français, on prend. Je suis pas sûr que vous entendez la musique, je peux mettre plus fort. Bonne pêche de pognon. Fais gaffe. Va me voler mon pognon. Une de quête annexe ici, tous les coups. Ok, si on a acheté quelque chose d'utile. Il y a beaucoup de pognon. Yes, allez, faites-moi des prix. Je vais acheter n'importe quoi pour la pièce, je suppose. C'est le seul qui est pas venu quémander ma pièce. Il semble que j'ai pas le choix d'aller manger chez Rouron. Je peux pas les garder non plus. Bien sûr. Salut Rouron. Alors. Niche de pain, des larves chuteuses, tranches de jambon, des brochettes. Mes tranches de jambon.
Tous les jours. Ah oui, je les vois tous. Rochette ancienne. Le pain, ça ressemble à des nanes. C'est assez ressemblant quand même. Ah, fourrée de fruits cactus, ah, c'est moins bon. Ah, les nanes au fromage. Petite larve. Putain, les larves sont tellement bien faites. N'a pas monté le son. Le jambon de la passion. Passion. Ok. Pour ceux qui n'ont pas de stock de bouffe, il te donne un petit stock pour le buff XP, je trouve ça intéressant. Ah! Il semblerait que le jambon de là-bas soit pas très très à mon goût. Ah bah si. Pardon, si. J'ai l'impression d'être en train de vomir bien parce qu'on a trop mangé. Bon, bien sûr, je suis mangé. Ça me rappelle moi, yes, je connais ça. Alors, système, paf, ouais, déjà est un petit peu plus audible pour vous, j'espère. Ah, peut-être trop fort, hein. On verra. Yes, allez, toutes les quêtes. Allez, c'est parti. On va pas déconner. Ah, retour du stuff. Yes. Bah allez, on va t'aider. Allons chercher des marchandises au marché. Bon, il semble que le cuir trouvé. Alors un cactus, collecté chez Tonton, Tom Toll, minerai de fer, Mulmul. Ok. Plutôt essayer de repérer les noms. Qu'apparemment il y a des pièges. Qu'est-ce nom? Toll Toll. Yes. Ma mémoire a tenu au moins 10 secondes.
Tonton, sac de plantes. C'est tonton? Ouais, je crois que c'est tonton. Ah, mais c'est marqué là, cactus comestible. C'est trop triche. J'ai même pas vu. Hey, Mulmule est là. Oh là là. Oh, ils étaient assez tous regroupés, ça va. Le cercle était gigantesque. Ça disait, ah, tu peux aller partout en fait. Yes. Il y avait quoi, 2-3 pièges peut-être? Ah bah moi je suis efficace. Hein. On n'a pas de temps à perdre, faut avancer un peu là. S'il est possible qu'on n'ait pas fait grand chose jusque là. Ah. C'est son intermédiaire. Allez, on change de guide. Bah oui. Tessine. Bah oui. Allez, on change. Sin est quand même plus sympathique que Kassar, hein. On passe hein, bon. Ah non, il y a la téléportation maintenant, hein, ça suffit. Je vais pas m'amuser à revenir à pied, machin. Non. D'une langue rocheuse plus au sud. Ah, mais moi ça mange pas, semblé. Oh. On n'a pas le temps. Mais il y a un nombre de quêtes, j'ai l'impression plus que surtout des quêtes de déblocage de quelque chose qu'auparavant, j'ai l'impression. Et bien sûr. Eos, tu es de sortie. Yes. Et allez, première bataille de Shadowbringer. C'est parti. Il va. Yes, j'ai laissé le mauvais sort dans ma barre. Ça, moi, je trouve ça plutôt cool. Testons-toi, Nao. Oh, tellement moins de dégâts. Musique de commencement, c'est sympa.
Oh, ça va. Et où c'était là, soleil. Yes, bah allons-y. Il est temps du coup de... Oh, j'aggro personne. J'étais personne d'aggro les deux à côté, mais... Il semblerait que non. Tant mieux. On va carrément pas se plaindre. Ah non, on commençait pas à vouloir me... Ah, fléau aussi, on l'a pu. Ah, donc il me reste plus que la loi de guerre en AO. Ouais, ça va. Ouais, non, mais si, si. Flipper, hein. Ah, les rubis, ça manque de dégâts quand même. Avant, ça va être de la pêche en dégâts. Ça va être mon histoire avec. Alors, je repasse en stuff invocateur, mais. Oh bah, bonjour. Ouais, je suis désolé, hein. Ils sont mon passage, moi j'y peux rien. Au nord, bon, j'en ai loupé un, c'est pas bien. Je vais aller chercher plus tard. D'ailleurs. Juste à titre d'information, hein, c'est pas. Où est-ce que c'était déjà la carte des vents? Déplacement? Vent éthéré. Tout le reste on est bon. Ok, bon, quoi qu'il arrive, j'en ai 5 à faire de quêtes. Donc ça. Ah non, mais avant j'aimais bien combattre en érudit. Ah, maintenant c'est chiant. Hein. Heureusement qu'on gagne ça. Puis ça. Eh, mais non, je crois que. Loin d'infection remplace pas. Si, c'est ça. Yes! Que deux sorts de vie. Ouais, super, je vais faire des soins en ruine, mais c'est nul en termes de dégâts. Il n'y a aucun intérêt. Ah, ça, c'est un peu la seule déception. C'est bien ce qui semble, que je semblais avoir lu, en tout cas. Il est haute, mais bon, tant pis. Si vous jouez DPS, faites-vous plaisir. Taper quelques mobs. Ouais, tu me rends la faveur, hein. Pas de problème. L'auberge du grand départ. Premier visiteur depuis l'arrivée d'Alizé, donc depuis un an, ils n'ont pas eu de visiteur. C'est un petit peu moins d'un an si Alizé n'est pas partie tout de suite là-bas. Effectivement, ça fait long. C'est vrai qu'en termes de survivants, premier monde, c'est pas la joie.
Bah, j'aurais dû faire la dernière. Yes, allez. Moi, des quêtes, des trucs, faut les taper, faut faire quelque chose. Bref. Ah, super, on a perdu Alizée, ça y est. Yes, impeccable, une petite harmonisation avant. Ah, la super monture des Namazu. Elle est classe. Sérieux, à ceux qui font du craft ou de la récolte, comme la pêche. Well zone. Bon, j'ai peut-être commencé à manger trop tôt. Désolé, je vois, j'y vais. Une info sur Alors, Alizée, tu l'as sur la tour. T'es Kingan. Cette espèce d'humain. D'humain momie. On va en avoir quelques-uns avec nous sur la route. Hein. Ok, on est reparti. Il va pas arrêter de revenir parce qu'il semblerait qu'il ait un dod. Salut! Plus. Si c'est bon. Non. T'as été toujours actif. Super, un outil profite. C'est forcément un équipier. C'est plus long. Hein. 150. Hein. Ouf. Oula. C'est le bordel.
terre égalisée. Ah. Ah, mais... Laissez-moi combattre. Forcément, mauvaise. Ah non. Petit changement de jump pour Alizée depuis qu'on l'a pas vu. Comme tous les autres, mais on s'en savait via le trailer. Impressionnant. Petit ATP il y a 2 jours et ça fait 1 an. Mais j'y peux rien. Hein. Yes, t'inquiète, notre monde va bien. Mon Dieu, que je sais, je l'ai pas vu. Ça, de toute façon, je pense que c'est une bonne idée. Qu'il ait eu sa vision ou pas. Bon. Ah yes! C'est pas mal, hein? C'est original. Yes, jusque là ça va. Comment ça, sont désintégrés? D'accord. Donc les purgateurs, c'est d'anciens humains? Ok, animal ou personne. Aïe aïe aïe. C'est un truc. Ah ouais, c'est genre maladie zombie, mort vivant, mais les mecs qui sont tout blancs, c'est marrant.
Après, logique, hein. Allons-y, patrouillons. Faisons quelques combats. C'est-à-dire que toute créature à fourrure ou carapace est un purgateur. J'avais dit que j'aurais pensé un peu plus bas, mais je pense que c'est pas celui que j'ai vu tout à l'heure. Sud. Ouais, je ne peux pas. Manche sable. Génial. C'est cool ton alimentation. Pouffer du sable. C'est quand même mieux, hein. Pas dire, mais c'est pas la choix. Lâcheté pardonnée. C'est bien. J'allais dire, moi je peux faire autre chose, mais même pas. Je suis une saleté d'un haut. Justement, là-haut était en rond au milieu, mais pas d'animation du tout sur spell. J'ai l'impression que c'est pas une extension pour les healers qui veulent faire solo des trucs. Genre, c'est long. Alors que j'ai quand même pas un stuff tout moisi quoi. Bah ok, je sais pas ce qui se fait de mieux sur la fin de Stormblood, mais quasiment. J'ai un meilleur stuff que celui qui me donne. Comme de dégâts quand on est healer, effectivement on a perdu pas mal. J'ai pas envie de changer, moi j'aime mon ironie. Logique, deuxième. Est-ce qu'on peut se tanker ses attaques? Je pense que c'est jouable, mais. On va large. Ah, ça est haute. Ça, c'est de la bonne fée. Combien on est? Ah, un tiers du niveau 71, niveau 70. Tour au bercail. Je pense que c'est petite Alamo. Ça, je crois le nom de la ville. En tout cas, s'il fait penser dans l'esprit un petit peu. Une crotte comme ça, sous. Avec l'habitation dessous. Clairement. Un petit Alamigo. Je crois que c'est ça, la ville dans notre monde. Plutôt bien, je tue deux monstres.
Ok. Logique, s'il se balade à peu près en bande. Réduit un petit peu l'effectif ennemi, puis ensuite à nous de l'attaquer le gros du morceau, on va dire. Yes, ben voilà, on est à 2 heures d'enregistrement, on aura au moins tué 5 monstres. Bon, ça devrait aller en s'accélérant, sauf à chaque fois en début de zone où ça va mettre un peu de temps. Et là, je pense qu'une fois on aura fait une ou deux zones, et ok, alors, première grosse ramification, ça devrait aller un petit peu plus vite. Aïe aïe aïe, et on le sait, c'est visible. Est-ce que c'est réellement tombée amoureuse? Est-ce que c'est de l'admiration? Tu auras dit. Céline est plus occupée que ce qui n'y paraît. Bon, on va encore aller chercher des trucs, ramener des trucs. Ça va. Qui n'ont pas de sap sur mon corps, c'est original. On s'arrêterait pas ici pour cette première vidéo de 2 heures. Ou ok. On a certes pas vu grand chose, pas fait grand chose, mais ok. Début d'histoire. On sait que dans le premier reflet, le temps passe beaucoup plus vite que chez nous. Nos personnages donc, sont dans les 4 régions. Est-ce que je vais pouvoir revoir un petit peu plus loin? Yes. Pas mal, voilà les 4 régions qu'on aura. Donc le mort, donc il devrait être l'équivalent de l'Imsa l'Omnissa. Ici, je sais pas laquelle devrait être l'équivalent de. J'ai perdu ce Gridania quelque part, peut-être celle-là plus proche, je sais pas. Ici pareil, c'est la forêt de l'Est qui touche à Gridania, et d'ailleurs on peut le voir, ça ressemble à des petits bouts, on peut voir dans la forêt sur un seuil ici, clairement ça y fait penser. Et donc, ok, on a pris l'histoire des purgateurs quand même. À la base, c'est des monstres ou des humains qui ont été touchés par la lumière et qui sont transformés, qui cherchent à bouffer les terres d'autres. Et je pense que par grande zone, devrait y avoir un purgateur maître, on va dire, à aller battre sûrement dans un donjon. Ça semblera à peu près logique. Sûrement un par zone. Et on a une zone ici. Point d'interrogation, on ne sait pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Comment on y va? Il y en a un sacré bâtiment quand même. Donc à voir. Bon, ça c'est la zone de. Un peu de départ. Est-ce qu'il y aura des purgateurs possibles aussi? Mais voilà, après je vous le dis, je pense que ça va s'accélérer au fur et à mesure. On va aller de plus en plus vite, mais voilà. Merci à tous, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, bye bye.